Ils sont venus de toutes les villes de l'intérieur du pays, les enseignants républicains, pour prendre part à la rentrée politique de leur structure, le RER, entendez Rassemblement des enseignants républicains. Une rencontre de réflexion pour faire des propositions en vue de la mobilisation des enseignants du RDR autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara. La finalité de toutes ces innovations et de tout cet engagement dans le combat, au-delà du souci de redynamisation de notre structure, pour la mettre à disposition du parti, et de contribuer ainsi à la réélection du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel de 2015. Pour sa part, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, a mis en exergue le bilan du président Ouattara. Un bilan de 3 ans, on ne peut plus positif, à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis seulement, je dirais, 3 ans, le bilan est là. Le premier des bilans, ça a été la réhabilitation de toute la voirie urbaine d'Abidjan. Le troisième pont et ses échangeurs, la réhabilitation de la côtière. En moins de 2 ans et demi, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Poursuivant, Amadou Soumaoro a exhorté les enseignants à appuyer toutes les initiatives du gouvernement, notamment l'opération du recensement général de la population et de l'habitat.